Ils sont au total 4 500 pèlerins à avoir reçu l'appel divin, l'appel à accomplir le cinquième pilier de l'islam. Ce dimanche 22 septembre 2013, 450 d'entre eux ont pu embarquer en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui est allé vérifier la bonne organisation de ce troisième départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Je souhaite que les conditions que nous avons vues d'encadrement, de prise en charge des pèlerins se maintiennent et se renforcent jusqu'à la fin des départs. Et que pendant le séjour, les choses se passent très bien. Les premiers échos que nous avons de ceux qui sont déjà arrivés, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions. En tout cas, je voudrais féliciter le commissaire du Hajj, le directeur des cultes, tous les responsables pour leurs efforts. Par rapport à l'année passée, il y a déjà eu une amélioration. Je leur demande d'aller plus loin. Nous devons être capables d'organiser le Hajj dans des conditions optimum au bénéfice de nos parents pour qu'ils fassent un Hajj dans de bonnes conditions et que nous rapportent des prières de paix pour le pays. Parmi les 450 élus de ce troisième vol, Madame Daffé et Monsieur Doucouré, ils expriment ici leur joie et félicitent le comité d'organisation. Vraiment, c'est une joie, une grande joie. Parce que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, je suis contente, je suis émue. Je suis très content d'y aller cette année. Parce que la façon dont j'ai vu l'organisation, c'est parfait. Et nous souhaitons aussi que pour l'an prochain soit plus que pour cette année. 10 vols au total sont prévus pour cette édition 2013 du pèlerinage à Mecca, qui symbolise un acte de foi pour tous les musulmans.